série chorale sur le quotidien de quatre amis en pleine crise de la quarantaine dans un Los Angeles pré-Covid. On The Verge, première série de la comédienne et réalisatrice Julie Delpy, My Zoé, démarre ce soir à 21h05 sur Canal+. Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amis en pleine midlife crisis tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour Justine, chef française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, est là, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmine, qui tente de sortir d'un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d'équilibriste le plus souvent rock'n'roll. On The Verge, créé par Julie Delpy avec Julie Delpy, Elizabeth Chou, Sarah Jones. Chaque lundi à 21h05 sur Canal+, expatriée aux États-Unis, la réalisatrice de Two Days in Paris et Two Days in New York aime décortiquer les différences culturelles entre ces deux pays d'origine, tout en pointant du doigt les disparités dans les rapports hommes-femmes. Dans On The Verge, sa première série, elle propose une analyse piquante d'une certaine partie de la société américaine à partir de quatre portraits de femmes. Dans un Los Angeles dont la temporalité est située juste avant la pandémie, la série raconte les déboires de quatre amies quarantenaires, Justine, elle-même, une chef négligée par son époux, Mathieu Demi, Anne, Elizabeth Chou, propriétaire d'une boutique de vêtements, Yasmine, Sarah Jones, femme au foyer voulant relancer sa carrière professionnelle, et Ella, Alexia Lando, également co-scénariste, mère célibataire de trois enfants ayant du mal à joindre les deux bouts. Usée dans son couple, Justine va trouver un moyen d'émancipation inattendu lorsqu'elle s'attelle à l'écriture d'un livre de cuisine commandé par un éditeur. Au fil des recettes, elle va peu à peu se mettre à écrire indirectement sur sa vie, et se rendre compte qu'elle n'est pas si heureuse qu'elle le pensait. Initiée par Julie Delpy en 2012 avant d'être choisie par la création originale de Canal+, puis par Netflix qui a optionné la série pour les États-Unis. On The Verge est une comédie de mœurs dans laquelle la créatrice met en valeur des héroïnes bien trop souvent mises de côté par l'industrie du divertissement. Il y a des séries avec des femmes beaucoup plus âgées, comme Grace and Frankie, mais les femmes cinquantenaires sont un cultural blind spot, on les a un peu laissées dans le noir. Moi aussi, analyse-t-elle, le jeunisme pour les femmes dans les fictions est d'autant plus étrange que bon nombre de décideurs parmi les grandes chaînes et les studios sont justement des femmes dans la quarantaine. En réponse à l'aguisme courant à Hollywood, Julie Delpy compose une série centrée sur l'amitié entre femmes à travers ses quatre héroïnes, pour lesquelles elle s'est inspirée de ses propres amies, des femmes qui ont toutes fait des choix différents et se retrouvent à un moment charnière de leur vie. Ça m'intéressait de voir des amis dans des conditions sociales différentes, car j'aime bien mélanger le social et la comédie, explique la créatrice qui cite notamment la série Larry et son nombril comme référence en termes de comédie. De montrer une femme mariée qui a un peu laissé tomber sa carrière avec un mari développeur qui a fait carrière dans la Silicon Valley, une chef d'entreprise qui travaille très dur parce que c'est elle qui soutient sa famille, ou encore une qui galère parce qu'elle a fait les mauvais choix et se retrouve à nourrir ses enfants avec des cornflakes le soir. En voulant parler des femmes de son âge et en prenant un certain recul sur la société américaine et plus particulièrement d'une certaine forme de bourgeoisie à Los Angeles, Julie Delpy dresse une chronique sociétale au ton décalé grâce à son point de vue unique entre la France et États-Unis, et réussit aussi à nous émouvoir lorsqu'elle touche au sujet du mariage et de l'érosion de l'amour dans le quotidien.